You look lonely. I can fix that. Eh bien, salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 14e épisode de notre incroyable aventure sur Prey. On est donc de retour, vous le savez, dans cette salle. La moindre donnée transitant dans la station est capturée ici. Des serveurs de sauvegarde ont été placés dans des modules qui s'éjectent en cas de catastrophe. Le fait qu'il n'ait pas déjà quitté la station en dit long sur l'incapacité d'Alex à accepter la réalité. Très intéressant. Nous donc avons rendez-vous à la banque de données centrale. Souvenez-vous, on s'était enfui. De l'arboretum, hein, et on s'est fait d'ailleurs verrouiller, hein, d'ailleurs, par Alex, notre frère. Il nous a verrouillé, puisque voilà, il nous a mis en sécurité entre guillemets MDR. Permettez-moi d'en douter. Bref, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre votre petit like avant de démarrer cet épisode. Installez-vous confortablement. Mot de passe Divi Saint Christopher Protect Me. Ok, très bien. Donc on a un petit mot de passe, ça régale. On a un dossier ici. Pas de quartier. Transférer le dossier. Très bien. Ok. Et on a des emails. Chasse au trésor. Ok, petite blague entre collègues. Rien de bien incroyable. Et on a un fantôme là-bas qui a perdu de la vie. Je sais pas à quel moment, mais il a perdu de la vie. C'est un fantôme classique, donc ça c'est pas mal. Là on a des opérateurs. Des opérateurs quoi? Médicaux, des opérateurs médicaux visiblement. De nouvel opérateur. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Si je ne m'abuse. Pas du tout. C'est un opérateur ingénieur. Mais c'est pas grave. Au moins il nous répare la combinaison. Oh. Oh. Regardez-moi ce que je viens de trouver là. Un petit passage secret, un petit conduit. Un petit peu bugué, hein, comme vous pouvez le voir. Je fais des squats. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça nous permet d'accéder. Ça nous permet d'accéder là. On a la borne là-haut. Pardon. Wesh. C'est quoi ce bug? Allez, meurs. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce que en fait, voilà, pour moi ça n'existe pas cette scène, j'étais bugué, voilà, je sais pas si vous avez vu, j'étais tout simplement incapable de revenir en arrière, voilà, il y a eu un bug, donc je ne vais plus passer par là, c'est pas grave, on va affronter le danger bien frontalement, voilà, ah, petit circuit imprimé, j'avais pas vu, tac, ok, très bien, là, on peut pas y aller. La moindre donnée transitant dans la station est capturée ici. Tu nous l'as déjà dit. Les serveurs de sauvegarde ont été placés dans des modules. Wesh, pourquoi il arrive d'un coup, lui? Il est fou, lui. Il s'éjecte en cas de catastrophe. Le fait qu'il n'ait pas déjà quitté la station en dit long sur l'incapacité d'Alex à accepter la réalité. Attends, il est venu sans aucune raison, lui, là? Tu vas rien faire du tout. Voilà. Voilà. Ça c'est fait, ça dégage la racaille. Voilà. Ça c'est pas mal là, le pouvoir psy là. Hop, direct, on va se le donner. Voilà. Pas mal. Bon, j'ai vu qu'il y avait des Mimix. Bah, il est où le Mimix? Tourelle, qu'est-ce qu'elle veut la tourelle là? Ah ouais. Il sort d'où lui là? Wesh. Vous venez d'où les gars là? Ok, j'ai capté, je vais me cacher. Ah ouais. Et vous venez d'où les gars là? Donc j'ai deux tourelles et un technopathe. Pas mal. C'est pas mal, on a quand même fui une situation qui était moins horrible. Allez, on va essayer de scanner. Cible hors de portée, mais oh. Comment ça, mon gars? Oh, c'est terrible. Allez. Ouais, non, je vais me faire cramer là. C'est terrible. Comment veux-tu
comment veux-tu ? Technopathe, attendez, bougez pas. Je sais que j'ai déjà vu dans le dernier épisode, mais vous savez que moi j'enchaîne pas forcément les épisodes. Donc données, recherche, technopathe. Technopathe, faiblesse, électricité, explosion, psychique, IEM. Électricité, explosion, psychique, IEM. Ok. Alors j'ai de la charge IEM. Ah. Alors c'est bon, ils font demi-tour. Ah yes. Ça, ça régale. Bougez pas. Hop. Voilà, dans ta gueule. Et alors tu vas faire quoi? Ok. Arrête, ça va, je rigole, ça va. Ça va, on a le droit de rigoler, hein. On a le droit de rigoler. Oh non. Oh la flemme de ouf. Oh la flemme de ouf. Ok. Magnifique. Magnifique. Je reprends mon petit fusil. Allez, qu'ils viennent là. Je les attends, je les attends. Bon, visiblement, ils peuvent pas venir. Visiblement, ils peuvent pas venir dans mon petit truc là. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas. Est-ce que je me chie dessus, les amis? Vous pensez vraiment que je me chie dessus là? Vraiment, après tant d'épisodes, vous croyez que je me chie dessus? Bien sûr que oui. Et là, je peux pas revenir en arrière. C'est bugué. Voilà, c'est... je ne peux pas revenir en arrière. Ah, c'est à cause de ça. Mais MDR. Les développeurs m'ont prank. Allez, je suis bloqué à cause de ça, vraiment, là? Alors, on va dégager ça. Mais... ok, je peux pas revenir en arrière. Très bien. Soit. Je ne sais pas quelle est la... qu'est-ce qu'il faut faire. Ok. Au pire, j'attends qu'il vienne et je dégomme. Tourelle technopathe. Là, j'ai l'impression qu'il vient. En effet. Ah. Ça, c'est... hop. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien joué de ma part. Voilà, technique de lâche. On se cache. Si ça fonctionne, je suis OK. Et après, je prends le rayonnement et je le... là, maintenant même, d'ailleurs. Tu sais quoi? Ah, d'accord, mais il fallait me dire que j'avais plus de balles. Yes. Yes. C'est pas mal, ça. C'est... non. Non, 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 non. Tu mens, tu mens. Tu mens, tu mens. Vas-y, régène-toi. Là, il faut qu'on se régène parce que sinon... voilà. On se régène, tranquille. Voilà, 30 PV. Ok, maintenant je peux me permettre de manger des choses. Alors qu'est-ce qui se mange? Rien du tout. Si, j'ai ça là, parfait. Eh ben, ça va pas nous aider. On peut réparer la combinaison en vrai. On a un opérateur qui nous le permet. Mais en fait, ils savent où je suis, hein. Parce que bizarrement là, regarde, je me mets là. Je me mets là et bizarrement... tiens, tiens, bizarre. Comme c'est bizarre. J'ai plus de grenade IEM. J'ai un peu déconné, j'avoue. Par contre, j'ai un leurre à typhon. Un typhon. Fond, fond, les petites siphonnettes. Voilà. On les attire là où il faut pas. Comme ça, au moins, j'aurais peut-être une chance. Peut-être une chance d'arriver là, de me commander un opérateur ingé. Demande de nouvel opérateur. Voilà. Voilà. Opérateur ingé. Viens là, mon co- viens, viens là, mon pote. Non, c'est quoi ça comme bête là? C'est des mimiques ou... c'est quoi? Oh putain.
Oh bah merde. Oh vain dieu. Oh vain dieu. Ok. Bon, en vrai de vrai là, le technopathe il lui reste quoi? Eh, c'est bugué, ça me saoule. Dégage. Technopathe il a la moitié. Yes. Hop, ce sera déjà ça en moins. Ce sera déjà ça en moins. Donc ils peuvent quand même venir. Ils peuvent quand même venir, t'as vu ça? Voilà. Voilà, lui il est fini là. Lui il est fini. Bon, le technopathe il est hors de. Oh le bâtard. Ok. Oh c'est. Les amis, je me chie dessus hein. Hors de portée bien sûr. Hors de portée bien sûr. Hop là. Un régal. Un régal. Il me reste 137 munitions, d'accord. Ok, bon, il reste 3 gars. Ça peut le faire. Mais j'ai pas envie de mourir maintenant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de faire le con. Les gars, vous êtes où? Ok. Je pense que je peux revenir de manière safe au départ, histoire de réparer la combi. J'ai pas moyen de recharger mes compétences psy, et ça c'est bien dommage. Et là je ne peux pas revenir en arrière parce qu'il y a un truc qui me bloque. Ah c'est bon, c'est vraiment dommage les bugs. Parce que ça, je vais pas te mentir que ça casse le gameplay. Ok. Où est l'opérateur? Je ne sais pas. L'opérateur n'est plus là. J'ai plus de munitions évidemment, de fusil à pompe. J'ai du canon glu mais je crois que ça sert à pas grand chose. Ah technopathe il lui reste plus grand chose. Ah j'ai plus de munitions, comment tu veux que je fasse en vrai? Si j'avais encore du pouvoir psy mais je n'ai pas, je peux pas faire des explosions de dingue. Aïe 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 aïe. Y'a pas un truc explosif? Si. Attendez, il y a un truc explosif là-bas, je m'en souviens. J'ai un flash là. J'ai un flash là. Je crois qu'il... Attendez, bougez pas. Je vais vous épater. Attends, d'abord je le scanne. Je peux pas le scanner, un plaisir. Regardez. Non, il y avait pas... J'ai fumé la moquette. Il y avait pas une bonbonne explosive là? Vraiment? Oh, j'y ai cru. Bon, le problème, c'est qu'il y a ça aussi là. S'il y avait que le technopathe en vrai. En vrai. Ok. La raison permet toujours de tirer les commotions. Oh, tu l'as vu lui. Attends, parce que là je suis dans la merde un peu, non? Bon, est-ce que je peux ouvrir ou pas là? En vrai, je peux craquer. Ok, déjà je peux craquer. On va avancer quand même, hein. On est des victimes, mais on avance quand même, hein. On va pas se laisser marcher dessus, hein. Et regardez comme je m'en sors à merveille. Ok. Allez, on y croit. Hop. Pas mal. Pas mal. Bon, par contre, si c'est pour m'emmener dans une zone tout aussi peu safe. Déchets biologiques. Heather Benz. Très bien. Tirer la chasse d'eau. Lavabo. Sous les escaliers, est-ce qu'on a quelque chose?
toujours regarder derrière. Non, il y a rien, je suis très déçu. Je suis très déçu. Je vais quand même réparer ma combinaison parce que j'ai ce qu'il faut, voilà. On va quand même se le permettre. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Ne nous échappons pas d'objectif quand même, hein. On va faire une petite sauvegarde rapide parce que là je vois de l'électricité, je vais me prendre un coup de foot, je vais rien comprendre. Ok, on a la hauteur, ça c'est pas mal. On est toujours dans la même salle, donc ça c'est pas mal. Là ça passe pas à travers, c'est bon. Synthèse du discours et génération du langage inné. La conversion de voix, très bien. On peut craquer ici, mais je crois que de toute façon on avait le mot de passe, il me semble. En vrai on avait le mot de passe. Ça servait à rien ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, on avait le mot de passe. Mais nous on est des pros du craquage. Donc on pirate. Avec un email. Salut Ivy, Bénin était encore en train de tourner autour de mon bureau à chercher des rats. Il est trop bizarre, sérieusement, des rats dans l'espace. Il se prenait pour un vrai cow-boy. Flash info. J'ai failli me faire cramer. Flash info, pas de crime en orbite. Il faut le renvoyer chez lui. Pourquoi ça bug? Ok, un dossier. Ok, je ne sais pas à quoi ça sert ce que je viens de faire. Là, je pense que si j'y vais, je meurs instantanément. Confidential record. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas et je pense que je vais en avoir besoin. Des enregistrements top secret. On arrive au niveau de la borne. On arrive près de notre objectif, messieurs, dames. Pas mal. Ah. Ça, c'est chiant. C'est très, très chiant. C'est quoi l'autre créature? Il y a deux mimiques. Et un fantôme. Et un fantôme quoi? Thermique. Très compliqué, ça. Très compliqué. J'ai une boule au ventre, les amis. Fantôme thermique, c'est le pire truc qui existe, hein, il me semble. Hein, ouais. Faiblesse psychique uniquement. Donc, c'est grave la merde. C'est grave la merde. Et j'ai un mimique là qui vient de se transformer en table. Oh là là. Paranormal activity. Bon, on en parle que j'ai pas d'arme là, vraiment. Attends, tu sais quoi? En vrai. En vrai. Voilà, ils sont contents, c'est bien, ils sont attirés, c'est cool. Ce serait l'occasion de les prendre à revers. Je regarde combien de temps ça dure. Ok. Superbe! Oh, c'est pas vrai, hein. Sa mère l'hypopète, hein. Sa mère l'hypopète, hein. Eh, c'est pas vrai, hein. Comment voulez-vous, hein? Comment voulez-vous, hein? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Je n'ai plus d'armes. En fait, j'ai vraiment plus rien. Je peux rien faire. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, mais là, je suis bloqué. Là, je suis à un stade du jeu où je peux plus rien faire. Alors, le mimique, en vrai... Viens par là, mon grand. Viens là. Voilà, faut les prendre un par un, y'a pas le choix. Faut les prendre un par un, y'a pas le choix. Niveau santé, bah j'ai rien pour me régène, hein. C'est ça ce qui est vraiment chouette, j'ai vraiment rien pour me régène. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça c'est kit de réparation. Oh là là là, le fantôme thermique. En fait, il me faudrait juste un petit pouvoir psy et ce serait réglé, quoi. Alors attends, je vais lui envoyer de nouveau un leurre là-bas, là. Ici,
guess. Je sais pas à quoi j'ai... Ouais, bon, bah ouais, bon. Je sais pas à quoi j'ai pensé, messieurs, dames. Mais j'ai pensé. J'ai pensé et j'ai certainement mal pensé. Oh là là. Ouais, mais t'as vu où il me fait respawn là? Faudrait que j'arrive à accéder à la borne. Faudrait que j'arrive à accéder à la borne. Au pire, attends, j'envoie un leurre. Et une charge aussi plante. Oh! Mec! Ok, let's go. Je vérifie que c'est safe. Ok, bon, j'ai fait du gaspillage. Mais alors ça, c'est propre. Alors ça, c'est propre. Donc, il y avait un truc que j'avais pas pensé. Et il va falloir miser également là-dessus. C'est les grenades recyclantes, les charges recyclantes. Attire tous les objets dans un proche périmètre et les recycle en fragments matériaux. Mais ça, je savais pas que ça butait non plus les... Ça les bute quand même, en fait. Et ça, ça change tout, mais fallait me le dire. Mais fallait me le dire. Ça se trouve, vous me le dites en commentaire depuis tout à l'heure. Oh, je peux craquer. Ah non, il faut le piratage 4. J'ai pas le code. J'ai pas le code, dommage. Dommage. Bon, on avance. On arrive, je sais pas comment, mais bon, on y arrive. Et ça, c'est fort. Nom de personnage, Melindra, ombre noire. Elle a les yeux... Ok. Ah, je récupère les matériaux parce que en plus ces matériaux vont nous être utiles. Bah notamment, bon non ça c'est un recycleur, ça remarque. C'est un recycleur. Mais c'est parfait. On va pouvoir également s'en sortir en tirade. J'en avoir besoin parce que là je suis contaminé, plein de radiation. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Eh bien voilà. Alors, balle de 9 mm, messieurs, dames, je craque. Je craque, mais c'est clairement l'arme qui... Ah merde. C'est vraiment de la... on a vraiment rien, quoi. Oh, on a vraiment rien. Ah là 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 là, c'est abusé. C'est magnifique. Bon, bah voilà. On va pouvoir accéder à l'ordinateur. D'abord, une petite sauvegarde, encore une fois. Voilà, ça régale. Viens là, viens là. Tu vas faire quoi? Putain, c'est des ouf hein. C'est des ouf hein. Je peux pirater ce truc. Donc on va le faire. Si on peut avoir une toile. C'est vrai, et j'ai aussi oublié ce détail les amis. Comme dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'enchaîne un peu de manière un peu aléatoire mes sessions de gameplay. Mais il y a tellement de façons de réussir des combats dans ce jeu, j'avais complètement oublié. Ah mais je peux pas réparer, j'ai pas les pièces détachées. D'un côté on peut esquiver les combats. Mais de l'autre côté on peut utiliser des objets qu'on trouve. Des armes, des pouvoirs, mais on peut également utiliser des tourelles quand on en trouve, quand on peut les réparer en tout cas. Il y a tellement de façons de charge recyclante, let's go. Mandataire, agent et identité. Protocole de bracelet électronique. Qu'est-ce qui se passe? Ça va exploser ça? Oh, attendez, attendez. Tu me donnes un indice de ouf là. Tu me donnes un indice de ouf. Attendez. Est-ce que j'ai pas une idée de zinzin là? Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. C'était débile de ma part. Oh non. Oh non. Ah, attention. Ok, c'est bon, c'est fait, c'est bien joué de ma part. Bon, remarque, c'est pas mal que le technopathe... Ah non. Ah ça, c'est pas bien, ça. Voilà, ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Aïe. 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 Ok. Ça c'est pas bon du tout. Ça c'est pas bon du tout. Et toi. Alors attends, bouge pas parce que j'ai mal réfléchi depuis tout à l'heure. Viens voir, viens voir, viens voir. Voilà.
Voilà, commence à me saouler là. Bon, le technopathe, pareil là, il commence à me saouler là, vraiment. Ça, c'est pas mal. Il va où là? Où c'est qu'il va là? Il va quand même pas passer la porte. Il va quand même pas oser passer la porte. Ah si. Absolument. Absolument. On va y arriver les gars. En vrai, on va y arriver. Je sais pas comment, mais il reste plus que lui hein. Il reste plus que lui. Il reste plus que lui. Et il y a une tourelle. Ouais, mais je peux pas la réparer. Parce qu'en vrai, elle la regarde. Demande de nouvel opérateur. Petite sauvegarde rapide. J'appelle un opérateur, il va me réparer la combi. Bah non, elle est déjà à 100%. C'est débile de ma part, mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. Inspection en cours. Votre combinaison est réglementaire. Très bien. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Et là, avec un peu de chance, la tourelle. Ouais, je peux pas la réparer. Je peux pas la réparer. Dommage. Bonjour. Là, il y a un truc explosif là. Attention, empoisonnement ou radiation détectée. Veuillez. T'énerve pas, j'ai des anti-rad, regarde. Voilà. Voilà, heureusement j'avais les anti-radiations. Là, j'ai une bonbonne explosive dans la main, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour le spectacle? Oh, c'est beau en bas, regardez. Faudrait juste qu'il redescende, quoi. Il veut pas. Ok, ça risque rien si je la jette. Non, je vais juste vous montrer, regardez comme c'est beau. Oh non! Ah non, ça c'est un copain, je crois, celui qu'on a vu là. Allez, on y va les amis, c'est maintenant, c'est le rush final. J'ai l'impression que c'est la fin du jeu, mais pas du tout. Je pense qu'on va vraiment chier. Hein. Voilà, viens par là. Bien joué de ma part ça. Ça c'est bien joué de ma part ça, non? Oh. Attends, ça. Voilà, pas de gâchis. Oh, le bug. Le bug, j'arrive pas à prendre mon arme, c'est une blague. Comment je l'utilise, équipé? Oh non. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. J'ai réussi à m'en sortir. Avec je ne sais quelle chance. T'as, c'est pas facile. Il lui reste plus rien en plus. Il lui reste plus rien, franchement. Il lui reste plus rien. J'ai une balle de pistolet. Il faut que je retrouve une bonbonne explosive. J'ai pas le choix. Faut que je retrouve une bonbonne explosive. Eh bah, va trouver une bonbonne explosive, mon pote. Sale technopathe là. Ok. Là. J'en ai une. J'en ai une, c'est bon. Maintenant, faut lui donner envie de venir. Comment il sait que je suis là? Comment il peut savoir que je suis là? Ah, vas-y, viens au pire. Viens mon grand, je t'attends. Attends, bah, on va essayer de faire du bruit. On va essayer de faire du bruit comme ça. D'accord. Ça marche bien, ça marche bien. On se débrouille avec ce qu'on a. Hein. Allez, viens par là. Voilà, il descend. Il descend. Voilà mon grand. Non, il descend pas. C'est un gros débile. Ça y est, il descend. Ça y est, il descend. Il descend. Allez, viens. Temps de pression. Voilà, tu m'as vu. Tu m'as vu, allez, tu m'as vu. Tu m'as vu. As-tu vu? Il est pas mort. MDR, il est pas mort. Je lui ai envoyé la bonbonne en plein dans sa face, il est pas mort.
Hugo, hypopsie utilisée. Oh, ça y est. Comment j'ai fait ça? Attendez, je viens de me recharger de du pouvoir. Incroyable, allez on y va. Je me suis rechargé du pouvoir. Je sais pas comment mais bon. Hop. Terminé. Oh bah merde. Eh ben. Non franchement c'est une dinguerie hein. C'est une dinguerie hein. Avec zéro munition là. Je m'en suis sorti pas facile hein. Mais on a réussi quand même hein. Bon donc ça c'est radioactif, attention. Trouver la banque de données centrale. C'est ici. Alors je ne peux pas ouvrir la carte. Ouvrir les portes, stockage, je ne peux pas encore. Donc je vais monter là-haut à la borne. Tac. Voilà. Eh ben c'est pas évident hein, ce jeu hein. Mais franchement les gars, je compte sur vous. Maximum de likes pour m'encourager, parce que là ça régale. Et là on a un nid qui stoïde. Attendez, je re-sauvegarde hein. Là je peux y aller ou pas? Non, force physique 3. Ça fait trop peur là. Arrêtez. Arrêtez ces bruits là. Arrêtez ces bruits. Bon donc là y a rien. Là on a des emails. Madame Shaw, je tenais à vous rappeler que nous possédons. Des informations sensibles concernant les volontaires et j'aimerais que vous assuriez qu'elles soient en lieu sûr. Donc ça se passe là-bas. Très bien. Oh des neuromodes. Bougez pas. Souvenez-vous les neuromodes, on en a besoin pour l'inventaire. On en a besoin pour l'inventaire. Vite. C'est où? Ingénieur. Ça doit être là. Modification de combinaison. Plus d'espace dans l'inventaire. Et la possibilité d'installer deux puces supplémentaires. Bam, regardez mon inventaire. Oh bah il était temps hein. Il était temps hein. C'est pas de refus hein. C'est quand même pas de refus. Allez la borne. Attention, envoyer un signal de destruction à un bracelet électronique est une violation des procédures. Là il faut l'identification du bracelet. Là on a une carte de sécurité. Ok. Et là il faut un code qu'on n'a pas encore, mais qu'on devrait trouver grâce à cette fameuse carte. Pas mal. Mais d'abord les amis, d'abord, on va se débarrasser encore une fois de tout ça. Voilà. On se fait de la place. On en profite. Voilà. Est-ce qu'on peut fabriquer, s'il vous plaît? Pas du tout. On peut rien faire. C'est génial. J'adore ce jeu. On sauvegarde. Et j'imagine qu'on va essayer la carte d'accès pour ici. Ce serait vraiment chouette. Ce n'est pas pour là. Donc, c'est certainement pour en bas. Bonjour. Donc c'est certainement pour en bas. Oh j'avais pas vu. Me présenter au chef Shaw. Réquisitionner une arme. Examiner les vitrines à la recherche des traces d'effraction. Patrouiller dans toute la zone. Inspecter toutes les pièces. Et demander à quelqu'un de nettoyer les fenêtres de la cabine de sécurité. Voilà la checklist. On a différentes notes de Sarah. Akand, le chef Shaw a dit que vous aviez assuré. Votre dossier disciplinaire est clos. Très bien. Cartouche de fusil à pompe. C'est maintenant que tu me le donnes ça. C'est maintenant que tu me donnes ça. Vraiment là. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Allez, on va essayer notre carte d'accès là-bas. D'abord un petit coup de lavabo. Hop, voilà, ça restaure un petit point de vie, c'est toujours sympa. Et on va essayer. Oh, ce que je viens de faire, c'est super crétin. On va essayer. Yes. On y est. Verrouille. Empoisonnement pour radiation. T'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas. Antirade, bam. Commande, autoriser l'accès de la banque de données centrales. Ça y est, on a ouvert. On a des cartouches de fusil à pompe, tuyau en plastique, disque dur HS, une tasse de café. Bam, ça dégage. Ça, ça dégage. Je suis énervé. Pardon ? Alors, déjà, vous allez rien faire. Vous allez rien faire. Ah merde ! Bah attends, c'est une blague ? Bah ça sert à quoi de faire une porte sécurisée si on peut passer par là, hein? Eh bah alors. Ah, gros nul, va. Tu vas faire quoi? Allez, viens. Viens, je vais te terminer, mon gars. Tu vas finir mal, mon copain. Ok.
Donc j'ai ouvert, très bien. Utilitaire, carte de la zone, je télécharge instantanément. On a des munitions de fusil à pompe. Alors on a la carte de la zone, donc on est actuellement là au stockage. On a donc deux mimics qui sont ici, sinon on connaît tout. Le niveau moins 1, c'est la banque de données centrale, c'est là où on va aller. Le niveau 2, on n'a pas pu tout explorer encore, on a le module des données donc. Et cette salle aussi qu'on n'a pas encore accès. Très bien. Très très bien. Et là on a l'équipage, ok. Donc là on les a quand même pas mal tous checkés. Hein. Tu vois, ça c'est tous les cadavres qu'on a trouvés là. C'est pas mal hein. Et dans la catégorie stockage bien sûr. Non, en vrai on a trouvé pas mal de cadavres en vrai. Ça c'est pas mal ça aussi. Distributeur d'opérateurs, je veux bien sûr. Ça c'est opérateur médicaux ça normalement. Si j'ai bien compris. Alors regardez comment je gère, j'allais dire. Tac. Voilà, dis-moi que c'est des opérateurs médicaux, je t'en conjure. Oui, je pense. C'est vert, ça a l'air bon. Qu'est-ce que tu veux toi? Allez, toi t'es finito. Voilà, allez, prépare-moi. Voilà. Merci, j'en ai libéré deux, c'est un plaisir. Vous éloignez de l'ouverture. C'est un plaisir. Il est où l'autre mimique? Je sais pas où est l'autre mimique. Ok, on va aller là juste après. D'abord, un petit coup de sauvegarde encore. Faut juste que je termine le mimique là. Il est où là? Attendez, j'ouvre la carte. Ah, il y en a deux là. Non, j'ai deux mimiques en fait qui sont encore là-bas. Ah, mais non, c'est la tourelle. What? Ah, ici c'est des farceurs. C'est des farceurs. Il s'est caché encore. C'est sûr. Oh. Réparer. Ah, je peux réparer la tourelle, tiens. Bienvenue. On va préserver ça. Ah. Attendez. Il est où le mimique? Il y avait le mimique. Là. Là. Ah, farceur. Je savais que tu t'étais caché. Je peux récupérer Ah, voilà. Allez, on avance les amis. On se rend dans la banque de données centrale. C'est une zone zéro gravité en plus. Superbe. Microgravité détectée. Un bonheur. Ni de castéoïde. Oh là 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 là, flemme. Bon, en vrai ça va ça si tu fais gaffe. Disque dur, ça se passe en bas. Alors on va regarder, on va contourner, on va longer tranquille, on va pas se prendre la tête. Je rappelle qu'il faut éviter de faire des mouvements. Voilà, c'est les mouvements qui attirent les castoïdes. Les kystoïdes, les cystoïdes. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc voilà, on va les éviter. On n'a pas besoin de ça. Direction. Le disque dur. Alors, est-ce que je passe ici sans problème ou pas? Ok, disque de secours. Je l'ai. Branché. Et installer le disque, ça me paraît trop simple, attention. Il va nous arriver une belle couille. Ok. Bon, il y a certainement plein de trucs à faire ici. Hein. Serveur de fichiers. Ça c'est les tourelles, bornes. Serveur de fichiers. C'est là que je dois... Ah, voilà, c'est là que je dois mettre le disque dur. Alors attendez. On va mettre ça là. En toute sécurité. D'accord. Vous voyez cette bonbonne là? Vous voyez hein. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc là je viens de créer une chaîne. J'ai encore une autre bonbonne là-bas si jamais. Oh, ils sont tous en train de se péter la gueule, c'est bon. Ouais, c'est bon. Regardez-les. Attends, je vais encore te faire ça. Voilà, ça dégage la racaille. Ça dégage la racaille. Le disque dur. On avance, hein. Franchement, je suis super ravi de ça parce que je pensais pas qu'on allait avancer dans cet épisode. Hein. J'ai cru que j'allais rage quit. Hein. Pour être très honnête avec vous. Hop, on va foutre ça, j'imagine, ici. Passer à l'écran, installer le disque. Disque non. Autoriser, continuer, oui. Ok, on va se faire allumer la figure, vous allez voir.
Je craignais que le disque dur ne soit endommagé. Vous pouvez utiliser le poste de travail du chef Shaw pour télécharger le plan de fabrication. Nous reproduirons alors votre clé d'armement. Ok. Ok, donc c'est déjà installé, c'est bon. On va pouvoir donc partir. Terminal de téléchargement. C'est... Il va nous arriver une couille sur le chemin, ça va être magnifique. Il y a certainement plein de trucs à voir ici en vrai. Et encore quand je dis plein de trucs. En vrai, ça mange pas de pain d'aller faire un tour. Regardez, je fais une sauvegarde au cas où. On va checker s'il n'y a pas des trucs à récupérer. On est là pour ça quand même. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose de super fou. Ok. Alors je sais, vous m'aviez dit en commentaire, des fois j'ai fait des mauvais choix, mais... Bah, par exemple, le prisonnier, si je l'avais pas tué, souvenez-vous, à l'épisode 7, je crois, si je l'avais pas tué, j'aurais eu des armes de ouf. Mais bon, d'un autre côté, c'était quand même un bon choix de le tuer, parce que moralement, c'était un gros salaud. Eh, regardez, vous reconnaissez? On était juste au-dessus avant, et on va y retourner d'ailleurs. Ah, c'est excellent! Eh, au secours, aidez-moi! Ah, c'est excellent! J'adore, en tout cas, c'est... L'ambiance est vraiment folle. J'adore les jeux spatiaux. Enfin, j'adore l'univers de l'espace. Mais alors ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme que je pensais pas expérimenter. Hein. Franchement, Prey. Encore une fois, je ne comprends pas comment je suis passé à côté. Il y a encore des mimics qui traînent, évidemment, qui ont respawn. Et un fantôme, tiens. Comme si ça ne suffisait pas. Il y a un fantôme, je sais pas où. Juste là. Impeccable. Impeccable. Bon, c'est un fantôme classique hein. Et il a déjà plus beaucoup de santé. Il est en train de mourir tout seul, ce con. Hop là. T'as vu ça mon gars? Si ça c'était pas de l'attaque. Non franchement. Même les... Bon, c'est que maintenant que je découvre ça, mais voilà, tu peux faire quand même des enchaînements, des combos, des trucs. Enfin, dépendant de ton style de jeu, tu peux faire des dingueries. T'as vu ça? Donc, le fait de lui avoir sauté dessus, c'était juste parfait. Allez, munitions de pistolet, j'avais pas pris. En effet, très mauvaise idée. Oh, regardez. Je suis un génie. Oh. Je suis un génie du mal. Voilà, je suis un génie du mal. J'ai trouvé un passage secret, ça régale. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ah, c'est juste pour ça. Ouais, ça nous aurait permis de... Ça nous aurait permis, ouais, de... D'éviter... ouais, bon, je sais pas. Je ne sais pas. Bah, du coup, on va remonter. On n'oublie pas qu'il y a un mimic sur le chemin minimum qui nous attend. Puis-je vous aider ? Non, c'est bon, je suis full. Hop là, merci mon gars. Sympa, ça. Entre deux, terminal de téléchargement, on y va. Ça, je ne peux toujours pas. Dommage. Et là, je n'ai pas la force physique. Alors, sachant qu'il faut... Donc, soit piratage 4, il me faut 8 neuromodes. Ou alors, cette fameuse force physique. Et c'est pareil, là, bah, c'est impossible pour le moment. Donc, on l'a un peu dans l'os. Ce serait vraiment chouette de pouvoir aller là-bas. Mais je pense qu'il y a moyen. D'une autre façon. Bref les amis, en tout cas on va directement se rendre au terminal de téléchargement. Ça régale. Oh là 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 là. Oh le mimic supérieur. Oh le mimic supérieur. Tu vas voir s'il est supérieur. Tu vas voir c'est qui est supérieur. Ok. D'autres spécimens sont requis. Tu vas voir. Oh. Attends. Voilà. Oh, j'ai tenté un truc. J'ai tenté un truc. Ça n'a pas voulu. Ça n'a pas voulu. Non, j'aimerais bien faire une action de... Voilà. Bon, bref, tant pis, c'est pas grave. On aurait pu faire des actions de zinzin, mais bon, hein, le jeu en a décidé pour le coup autrement. Là c'est pareil, j'ai toujours pas de le code là. Putain, j'ai que dalle. Putain, c'est pas possible. Attention, ça brûle. Mais stop.
Tu vas faire quoi? Pas possible ça. On peut pas être tranquille deux minutes. Il est où son cadavre là? Merci. Attendez, attendez avant d'enclencher la... Parce que là je sens qu'il va y avoir une cinématique de ouf là. Donc voilà, l'espace d'un instant on va quand même... Voilà. Tac. Et là, maintenez F pour ramasser plusieurs objets. Ah, je découvre des trucs maintenant, c'est impressionnant. Mais je peux pas faire mes balles. Putain, c'est terrible. Bon, on y va les amis, c'est parti. Dossier. Attention, la banque de données centrale est un centre de données sécurisé. Tous les transferts de données sont enregistrés par le système. Veuillez obtenir les autorisations nécessaires avant tout transfert. Pas de problème. On va se faire défoncer la figure par Alex, notre frère. J'en suis certain. Ok. Ça sent pas bon. Oh non. Les clés du royaume. Nouvel objectif. Ça pue. Obtenez la clé d'armement d'Alex. Morgane, Alex a bloqué les issues. Je peux rien faire pour vous de là où je suis. Mais j'ai promis de vous aider. Alors écoutez bien. Le stockage est constitué de divers modules de données qui peuvent être détachés de la station. C'est un système de sauvegarde redondant. C'est votre porte de sortie. Regardez sur mon poste de travail. Je vous montre un outil qui vous permettra d'ouvrir l'une des chambres de données. Une fois à l'intérieur, cherchez la commande de largage manuel. Ensuite, votre cul se retrouvera dans l'espace, comme le mien. Et si vous parvenez à retourner à l'intérieur, faites-moi plaisir. Tu es le fils de pute qui a fait du mal à Abby. Sinon, je vous jure que je reviendrai vous hanter. Oh là là, ça fait plaisir le petit appel de Daniel Shaw là, ça régale ça. Ça régale. Daniel Shaw, tuer le faux cuistot. Oui, on a toujours ça comme objectif, évidemment secondaire, mais quasi principal. Ouvrez le module stockage. Attends, il faut que je retourne aux commandes là-haut, là. Attendez. Excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai anticipé. J'ai préféré anticiper. Et je me suis barré. Dans le doute. Donc, je vais y retourner. Utilitaire. Ah voilà, bienvenue au contrôle d'accès, le module vous souhaitez accéder, module donné A, déjà éjecté, donné B. Voilà, on vient de déverrouiller le module à B là-bas, très bien. J'ai toujours pas l'idée du bracelet, casse la tête ça. Échappez-vous, stockage. Alors attendez, parce que là je suis assez curieux au niveau des objectifs. Parce qu'on a deux objectifs d'histoire principale. On doit s'échapper du stockage, donc là où Alex nous a verrouillé. Hein. Et les clés du royaume, fabriquez votre clé d'armement et obtenez la clé d'armement d'Alex à l'arboretum. Oh non, putain, on va pas retourner à l'arboretum quand même. Plus, bien sûr, tuer le faux cuistot. Ça, voilà, c'est vraiment les objectifs principaux, que j'ai envie de réaliser, quoi. Ok, donc maintenant c'est déverrouillé ici, donc je peux rentrer. D'accord. D'accord, donc il faut que je sorte pour re-rentrer, c'est ça? Tu me confirmes que je dis pas de bêtises? Module de données. Ou alors, mais non. Comment je fais? Il faudrait que je vienne là pour aller là. Ou que je vienne de là pour aller au module de données. Attendez. Échappez-vous. Stockage. La banque de données centrale est verrouillée. Inspectez la cabine de sécurité. La cabine de sécurité. Centre de commande. Cabine de sécurité. Alors, est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Est-ce que je suis pas tout simplement en train de chier dans la colle? Ouais, pour moi, il faudrait que je ressorte. Ah mais non, je peux pas. Mais bien sûr, je ne peux pas. J'avais oublié. Ok. Et si je tape trois fois là, tu vas pas venir, madame? Ça aurait été stylé en vrai.
Ah mais il y avait des bonbonnes là. Je les cherchais tout à l'heure, elles étaient là les bonbonnes, je suis mort. Alors attendez, parce que là il y a un truc borne. Bonjour, content de vous voir. Mais il y a rien à faire à la borne. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je vous propose vraiment un gameplay Rockstar Games GTA V. Aller d'un point A pour aller au point B, puis aller au point B du point A. Je me permets, mais je pense que... Mais non, la borne, c'est pour rentrer le code. Oh, ça aurait été beau. Oh, ça aurait été beau. Et là, il n'y a pas d'autre issue ici. Hein. Là, il n'y a pas d'autre issue. Hein. Bon, ici, il n'y a rien à faire. Oh, quoique, attendez. Bougez pas. Bougez pas. Voilà, regardez-moi ça. Non, attendez les gars. Attendez. J'ai l'info. J'ai l'info les gars. J'ai l'info de ouf. Mais mec. Mais quel est ce jeu de dingue? Quel est ce jeu de dingue? C'est forcément par ici. C'est forcément par ici. Non? Je me suis enflammé? Non, regardez. C'est forcément ici. Regardez bien. Si je crois que je saute là. Ouais d'accord. Je suis enflammé, je peux pas. Je me suis peut-être un peu enflammé, il est vrai. Bonjour, content de vous voir. Ah ouais, je me suis peut-être un peu enflammé en vrai. Je pense que... Attention, empoisonnement ou radiation détectée. Veuillez vous soigner. T'inquiète. Ah j'ai pas le choix. Bon. On va retourner dans la zone... Mais non, faut que j'aille là. C'est ici que ça se passe, non? Poste de travail, c'est pas la poste de sécurité là? Attendez, on se fout de ma gueule ou... On se fout de ma gueule? J'ai déjà la carte. Objectif. L'arboretum, bah oui. Bon, l'objectif, c'est pas au moins 1, c'est au niveau 2. Et faut que j'aille là. Bien vu, bien vu. Eh oui, voilà, bah j'ai compris. Il faut que je puisse rentrer au module de données. Et pour ça, il me faut la force physique. J'ai pas le choix. Voilà. Je suis bloqué, sincèrement, là. Bonjour. Je suis bloqué, sincèrement. Mais le pire, c'est que je peux même pas retourner à l'arboretum ou faire des quêtes secondaires pour gagner des neuromodes. C'est ça, le problème, là. C'est que je suis sincèrement bloqué, là. Je suis sincèrement bloqué là. Je peux juste rien faire. Alors attendez, je vais juste me soigner également. Tac, les antirades. Ça ira mieux. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Non mais y a... Il y a un accès, hein. C'est 100% sûr là. Il y a un accès. C'est 100% sûr. Si tu vas là... Regardez les amis. Regardez les amis. Regardez le champion que je suis. Regardez le champion que je suis. C'est que maintenant que je vois ça, alors que j'aurais pu esquiver tous les monstres. Ah ça c'est moche. Parce que j'avais la soluce là. Je vais vous allumer la lumière, vous verrez mieux. Mais vous voyez, je serais passé par là tout à l'heure, j'aurais évité tous les conflits. Ça aurait été juste excellent. Voilà. Et voilà. Et on est de retour ici. Et voilà. Et c'est bon, parfait, je suis un génie. C'est en fait, finalement, je suis peut-être pas si con que ça. Par contre, c'est dangereux. Alors, on va attendez. Bougez pas. Voilà. On va essayer de se prendre un coup de foudre. Ok. Tisseur, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est ça là? Ah, bien. Parce qu'il était pas là avant. Hein. Il était pas là avant. C'est quoi de ça encore? Tisseur, on a déjà vu ça? Il tisse quoi lui? C'est Spider-Man? Ah non? Allez. Parfait.
onde zéro, choc psychique. Ok, il a déjà perdu des PV. Hein. Hop. Et voilà. Il est mort. Il est mort. Par contre, j'ai plein de soucis là-bas, là, qui... Alors attendez, je sais, je vais envoyer un leurre en vrai. Voilà. Comme ça, ils s'explosent entre eux, c'est impeccable. Là, je pense que c'est bon. Et là, je vais pouvoir descendre, les amis. Je pense que je vais pouvoir descendre de manière absolument sécurisée. Je vérifie. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Bon, il y avait des bonbonnes si jamais, de gaz, enfin de explosifs. C'est parfait. Alors ça, je prends. Ça, je prends fusil à pompe. J'ai pris un deuxième fusil à pompe, c'est pas grave. Au moins j'ai les munitions qui vont avec. Neuromode, pas mal. Pas mal. Oh, attention. Ça vient d'où ça? Ça vient de là, ok. Très bien. Munitions. Bonjour, merci. Ah, j'ai de la place dans l'inventaire, ça fait plaisir. Déchets radioactifs. Donc là, porte non alimentée verrouillée. Mais on a déverrouillé l'autre là ici, on va y aller d'un instant à l'autre. On va y aller d'un instant à l'autre. Mais d'abord, je veux juste m'assurer. On a un petit moment de répit, donc j'en profite. On a tout, c'est bon, on a tout. Canon vu, donc pas besoin. On a tout. On a tout. Et je serais même d'avis de tenter un truc. Si seulement ça pouvait déplacer les cartes, les trucs là. Oh yes, je suis un putain de génie. Eh, je suis un génie en fait. Je suis un génie du mal. Alors bougez pas. C'est du spectacle que je vous propose. Voilà. Et là au moins, on a un accès. Parfait. Allez, on y va les amis. On sort Data Vault B. Bonjour. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est beau. Panneau d'accès maintenance. Module de données. Eh bien les amis, c'est devant cette porte que nous allons nous quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode absolument fort et intense en émotion, parce que franchement, je ne pensais pas qu'on arriverait là, pour être très honnête avec vous. Alors c'est plein de suspense et plein d'intrigues que je vous retrouve demain 16h pour la suite de notre incroyable aventure sur Prey. C'était Mkolo, n'oubliez pas le pouce bleu. À très vite. Ciao tout le monde.